Yo tout le monde, c'est Bellings, on se retrouve, on se découvre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Skyward Sword, hein, comme vous le voyez. Hop. On l'avait bien. Hop là. Donc, la dernière fois dans Skyward Sword, on en était où? On en était à... ici. On venait d'arriver au bon endroit. Et comme vous voyez, il y a une chronolithe ici. On va l'activer. Voilà. Histoire de parler à ce petit robot. Donc on est dans la mer de sable. Touk. Tu es qui toi? Un humain? Comment tu veux savoir qui je suis? Je suis Iseo, le fier capitaine du navire. Qui protège la flamme de Nairo. La flamme de Nairo. La tempête fait rage ce jour-là, mes matelots et moi étions en mer comme chaque jour. Et c'est là qu'ils nous ont tombé dessus, ces maudits pirates. Ils voulaient la flamme de Nairo. Ils ont emprisonné mes matelots et ils m'y ont jeté dans la mer. J'ai fini par échouer ici. Puis grâce à ce bateau, j'ai longtemps navigué à la recherche de mes matelots et de mon navire. Mais je ne les ai jamais trouvés. Mon navire est peut-être rendu invisible sur la commande. Ils ont dû en tirer parti. Oui, je possède un navire destiné à protéger la flamme de Nairo et qui peut se rendre invisible. Quoi? Tu cherches la flamme de Nairo? Elle te serait utile pour retrouver une amie qui t'est chère. Dans ce cas, il faudrait que tu m'aides à retrouver mon navire et mes matelots. Très bien. Si tu es d'accord pour m'aider, j'accepte que tu montes à bord de ce bateau. D'accord. Vraiment, très bien. Dans ce cas, dis donc, matelot, ta carte est vraiment bizarre. Pour naviguer correctement en mer, il te faut une carte marine exacte. J'en ai une chez moi. Ça tombe bien. Allez, on monte à bord. On largue les amarres. Ok. Ben, c'est parti. Alors, c'est parti. C'est vraiment très bien fait. Aïe. Ça faisait un moment que j'avais pas navigué comme ça. Revenir. Déplace le bateau avec L et si tu appuies sur B, ok. Prépare le canon, ok. Très bien. Ok, donc sa maison est là-bas. Bon. Allez, en route, Moussaillon. Hop là, on est là pour accélérer un peu. Tranquillement. Hop là, on s'amarre. Maison du capitaine. Ça, c'est intéressant. Aïe, aïe. La maison du capitaine. On est arrivé. Ma maison est au sommet. La carte marine se trouve dans ma maison. Bien. Je serai mis hors tension. Ok. Très bien. Donc déjà, il est témoin que il y a un problème avec le temps. Il comprend qu'il y a quelques petits soucis temporels. Grâce à la chronolithe, il peut... Alors, c'est pas par là, c'est par là. Ok. Bon, on peut pas l'avoir comme ça. Ça aurait été trop bien. Continuer. Heureusement qu'on a sauvegardé juste là. Punaise, j'aurais dû sprinter. J'aurais dû re-sprinter. J'y ai pas pensé.
Donc. Hop là. Hop là. Touk. Ici. Hop là. On ouvre tranquillement. Tout simplement. Tac. Et comme ça, on peut monter. Hop là, donc là on escalade avec le grappin. C'est pas le plus compliqué. Boom. Voilà comment on gagne ce genre d'ennemi. À l'usure. Hop là, ça c'est fait. On récupère un rubis rouge. Mort de brûlure, j'y crois pas.
Mais je suis con, je fais exprès, en fait il me faut le fouet plutôt. Hop là, voilà. Je me suis rappelé qu'il fallait le fouet en fait pour eux. Hop là. Du coup, lui t'envole. Là, on peut faire le jungle. Ici, avant de faire ça, on coupe ça. Ensuite, on récupère ça. Tac. Touc. Allez, allez, piaf. Crache ton feu. C'est bon. Une fois que ça c'est fait, du coup, il faut que j'aille par où pour aller là-bas. Oh oui, non, ça... Il faut attendre que lui soit en haut, que le... Touk. Et le retour, ça va être la même histoire. Et donc on rentre par la porte. Même pas cette laisse regarder un petit moment. Mais vous voyez que du coup tout est ancien, tout est délabré. Hop là, la carte de navigation. On l'a. Regardez par ici, maître. C'est son équipage. À propos, on dit que ce navire soit celui qui protégeait la flamme de Nehru et de 90%. Je suppose que le capitaine y a passé des jours heureux entouré de son équipage. Ouais. Mais bon, là, dirons-nous qu'ils sont tous morts, donc bon. Touk.
Et si l'on ne peut pas descendre directement avec le pare-chelles de Zelda? Pour nous empêcher de faire tout le tour. Voici. Ça, il faut le recalibrer. Faut que j'arrive à bien caler pour atterrir sur le truc du coffre. Non. Pourquoi il part pas dans la direction voulue? Bon bah il veut pas. Touk. Pourquoi il est pas resté accroché, Link? Normalement il reste accroché, on est d'accord. Ne reste pas accroché, c'est truc de dingue. J'ai chaud. On va sauvegarder. Tac. La montée et la descente fut périlleuse. Certainement plus que ce que ça aurait dû être. Mais bon, c'est pas grave. Ça arrive. Maintenant. Bien, tu as ramené la carte marine avec ça. On va pouvoir naviguer. Allons chercher mon navire maintenant. On embarque? Oui. On largue les amarres, ok. Jetons un œil à cette carte marine que tu as ramenée. Ok. La marque indique la position du chantier naval. Le chantier naval est le site de construction de bateaux. Ça a été. Tu pourrais peut-être obtenir des indices à l'endroit où se trouve. Allons-y, larguons les amarres. Donc, on accélère hein, quand même. Un temps soit peu, il faut accélérer.
Allez. Oh. On amarre le bateau. On arrive au chantier naval. Chantier naval avec des mini-boss, enfin avec un mini-boss dedans. Avec un boss, un ancien boss, vous allez vous en rendre compte. Oh, c'est vrai, il y a des trucs. On est arrivé. C'est l'île du chantier naval. Il y avait une ville ici avant, les ouvriers qui travaillaient sur le chantier y habitaient. Ok. Ce bâtiment-là, c'est le chantier naval. Mais on ne peut plus y accéder car l'entrée est bloquée. On peut se déplacer sur l'île avec un réseau de wagonnets. Si tu empruntes le réseau de wagonnets, tu trouveras peut-être l'entrée à l'arrière du chantier. Oh mon Dieu! Allez, c'est bon, j'ai compris, il faut tout faire. Hop! On sauvegarde, toujours. Et puis on va faire le chantier naval, hein. Touk. Finir. Mort? Aïe aïe. On va continuer, on va refaire. Bon, on va refaire sans notre bouclier, bien évidemment, parce qu'on n'a pas assez pour s'en racheter un. On peut y accéder. Touk. On incline que s'il le faut. Ok. Ok. Bon. C'est plutôt bien passé, on va dire.
Là, c'est pour faire demi-tour. Non, c'est ici pour faire demi-tour. Donc, il faut bien prendre l'autre. Je twerk avec Link. Link twerk. Ok. On a failli dérailler. Sauvegarde. Et c'est à ces moments-là que je vais détester ne pas avoir de bouclier. Mais nous sommes arrivés à la partie centrale du chantier naval. Avec le temps, des installations ont été recouvertes de sable. Je vous recommande de fouiller le sable et de trouver des indices sur le navire. Non, tu crois? Merde, il est pas assez puissant pour toucher le sol. Là, toujours la même qui prend. Et d'une pince en moins. Merde. Touché.
Touché. À lui. Mais le jeu là, il se fout de ma gueule. Ah, punaise. La charge, je le savais qu'il allait me charger. Je pense qu'il me manquait un coup pour le terminer. Vincent Moy. Tac. 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 Allez, encore un coup. Tac. Un. Il me manque encore un coup, je pense. Yes! Fou! Complicado. Maître, il semble que cette installation a longtemps été un repère de monstres. Vos chances de trouver des indices de son avenir dans cette zone sont extrêmement faibles. Ouais, mais bon, déjà on a débloqué le chemin. Du coup. Et du coup, on a 4 cœurs. Donc tout ça, c'est bien beau. Touk. Et là, on peut sauvegarder. Hop là. Touk. Maintenant, on va aller voir lui.
Le navire n'était pas ici, dommage, pas très attrayant, mais il nous reste à explorer le repère des monstres. Allez, c'est parti. Ok, donc il nous reste un endroit. On va aller jusqu'à l'endroit où on va se laisser après. Ok, je préfère éviter de rencontrer à nouveau, mais il le faut pour mon navire. Ok. Donc. Donc. Il se situe là-bas au fond. Aïe, aïe. Hop là, c'était juste à côté. Repère des pirates. Hop là, ouh. C'est vraiment très engagé, sans. Mais il n'y a rien à craindre en fin de compte. Tout le monde n'a pas de chance de se balader en chronolithe. Alors pas de quoi s'inquiéter. Allez, Zou, pars. Je t'attendrai ici. Écoutez les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. C'était Phoenix, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.